la lance peut-être un peu trop devant. Pressé de monter au filet. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien posée cette volée. Équilibre et tension. Il y est. Ouais, là, il n'y est pas. Ah, ah non. Ah oh, c'est beau ça. Eh oui. Qu'est-ce que c'est bien volé. Oh, c'est bien joué. Oh, je suis quand même pas sûr que Pete Sampras soit bien physiquement non plus. Oui, il est un tout petit peu plus frais. Puis surtout, il a... Et puis c'est vrai que il a son service qui est présent. Là sur la volée, il ne fléchit plus. Elle me semblait bien à côté celle-là. Ouais. Ça semblait limite. On aimerait bien voir notre petite animation en ordinateur. Oui. Oh, elle est bien long, bien à côté. Ah. On est contre l'interruption. Oui, puis on joue forcément un joueur dans les 50 premiers. Oui, en plus. Alors que dans les autres tournois, on peut avoir une chance de jouer un joueur un peu plus faible. Oui. Oui, superbe. Il va vite celui-là. Et l'air est quand même beaucoup plus frais, plus humide qu'en plein milieu d'après-midi, ce qui normalement... fait avancer la balle beaucoup moins vite. Ouh. C'est fait. Oh, cette décommande, là, il peut revenir au score. Oh, 30-40.
Montpellier. Oui, ah, c'est bien joué, Fabrice. Voilà, il subit. Pete Sampras est bien placé. Parfait. Tranquille. Ouh. Bien joué, Fabrice. Non, elle est derrière. Ouais, Fabrice Santoro s'est arrêté de jouer. Oh, elle est faute. Oh là là, cette attaque de Pete Sampras semble juste derrière la ligne. Il est cher, ce point. Ben oui, regardez ça. C'est confirmé. Ah, c'est bien joué. Ah oui. Ouais, c'est bien joué. Ah. Sur Fabrice, il y est. Ah, il est épuisé. Ah, la double faute. Oh, c'est terrible. Victoire de Pete Sampras au bout de la nuit, au bout de la fatigue. En trois manches, il a eu très très peur, l'Américain. 6-3, 3-6, 7-5, il se qualifie pour les quarts de finale. Ça faisait un petit peu trop là pour Fabrice Santoro, malheureusement. 2 heures, on le rappelle, 2 heures et quart contre Grosjean mardi. 2 heures contre Kiefer mercredi. Encore 2 heures aujourd'hui face à Pete Sampras, plus le double dans les jambes. Il est carbonisé, le Toulonnais. Pourtant, il a été très très proche d'éliminer Pete Sampras, mais l'Américain s'en sort. Pete Sampras qui se retrouve donc en quart de finale où il jouera Rainer Schüttler. Il a intérêt à récupérer parce que Schüttler, c'est du